Hop. Jour 2, jour 2, jour 2, jour 2. Aujourd'hui, on a rendez-vous à 9h30 à l'audience. On a rendez-vous à 9h30, il est 9h là, donc il faut que j'aille. Le réveil était ok, petit déj. On va prendre les transports pour y aller. Aujourd'hui, c'est Audencia Got Talent. Et je pense que on va devoir former des groupes, ou alors on va. Mais bref, l'idée étant d'avoir plus de cohésion. Je pense que c'est un peu l'idée des premiers jours, c'est de former vraiment une cohésion au sein du. Des 602 élèves, ils nous ont annoncé hier. Et ouais, hier, je n'ai pas pu aller à la salle. Je n'ai pas pu aller à la salle, je suis rentré assez tard. Parce que je suis sorti avec mes amis, autour de minuit 30. Et voilà. Et voilà, aujourd'hui, le programme de la journée est simple. Danser à Got Talent. Je sais pas jusque quand. Je sais pas quand est-ce qu'on sera libéré. Donc l'idée c'est d'aller là, faire une visite d'appart, parce qu'on fait encore des visites, aller à la salle de sport. Quatrième truc à faire, aller faire les courses, très important ça. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, et aller laver mes affaires, ça c'est un truc énorme. Et faire un abonnement TGV Max, faut que j'aille faire ça maintenant. Je vais recevoir un nouveau téléphone, donc la qualité sera meilleure, je l'espère. Étant donné que je ne filme pas avec une caméra, puisque ce serait énormément de montage. Voilà, je vous reprends dans la journée pour vous montrer à quoi ça ressemble. Allo, avec le ref cadet. Ça ressemble à ça, on est arrivé. En fait, ils ont rassemblé toute la promo à l'intérieur de l'ancien Got Talent et on va voir ce que ça a. Tu penses que ça va être quoi? Moi je pense que ça va être une dinguerie, hein. En vrai de vrai. En vrai de vrai, vous êtes trop, hein. Là déjà on commence à avoir des noms d'entreprises, c'est-à-dire que tu vois, on commence à faire le réseau, tu vois. Moi je suis la poste, jeune. Moi j'ai un tout connu, l'ambiance bizarre, mais. Mec, on va voir dans quelle équipe on est, mais je pense que ça va être marrant. Parce que là-bas il y a trois chaises, donc je pense que ça va être. On va y avoir des jeux, des trucs comme ça, tu vois, une scène. Clairement. Bon, on verra, on va reprendre tout à l'heure. On va faire ça 6 fois, 6 écuries. À la fin, il y aura un vote. On va déterminer un vainqueur par écurie. Bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe là? On est en plein dans la finalisation des Audencia Talents. Et moi, j'ai choisi la partie podcast. C'est-à-dire qu'avec deux de mes camarades, on a dû penser à un podcast pour la présentation. Et en fait, les entrepreneurs qui vont nous juger, les jurys, vont choisir in fine parmi les 16 groupes le meilleur podcast. Il y aura aussi une sellette qui sera organisée. Et voilà, chaque groupe, il y a différents pôles et chaque pôle travaille sur quelque chose. Et non, c'est marrant, mais après, on a dû tourner 1 million de fois le podcast, c'était viré de différentes salles, c'est marrant, et puis on a dû un peu s'adapter à l'environnement, parce qu'il y avait du bruit, il y avait des gens qui passaient. Et nous on avait envie de faire un truc bien cadré quoi. Donc voilà, je vous ai filmé un peu le truc, j'ai pas pu filmer hier comme il se doit dans là où il y avait le rassemblement du matin. Et voilà, les camarades sont vraiment sympas, on commence à se faire un peu des bons potes. On verra bien, cet après-midi il va y avoir une petite scénette qui va être jouée par chacun pour présenter un projet. Je vous parlerai, je sais pas si je vais parler avant, de la question qu'on avait sur laquelle on avait été interrogé, sur laquelle la problématique en fait sur laquelle on devait plancher. C'était sympa, on découvre du monde à travers les travaux de groupe et moi ouais, j'aime bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Compagne, Camille, tu veux dire bonjour à Cam? Très honoré d'être dans les vidéos de Khaled. On intègre Audencia. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ah, ce soir, écoute, on va regarder un bon film avec exactement. Du bon vin, voilà. Exactement, et voilà, Cam. C'est au milieu d'un château.
Ça a l'air sympa. C'est d'abord une choré par l'association de danse, ce que j'ai compris. Et ensuite, il y aura un film qui sera projeté. Là, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans le château. Et la logistique est nickel.